Bon, eh bien, nous voilà en Espagne. Jour 3. On n'a pas fait beaucoup de résumés jusqu'ici. Ça a été un petit peu vite, je pense. On n'a pas filmé grand-chose. On a fait toute la côte française. Donc, on est sorti du train à Dax, d'abord, pour commencer. On a fait toute la côte française depuis à peu près hauteur de Dax. On a rejoint la mer, on a rejoint l'océan. Et puis, on a pris l'Eurovéloroute 1 qui nous a emmené à Hendaye. Voilà. En passant par Biarritz. En passant par Biarritz. Voilà. Ça, pour faire tout ça, Dax, la côte jusqu'à Hendaye, on a mis 2 jours. Et on est arrivé donc hier soir à Hendaye. On a à chaque fois campé. On n'a pas encore été à l'hôtel, à part à Paris où on a fait l'étape. Mais on n'a pas encore été à l'hôtel. Et donc, du coup, ben, on a un peu mal dormi et tout ça. Ça a été un peu pénible. On a démarré assez tard parce que le temps de ranger tout. Ben, on n'est quand même pas très organisé. Donc, du coup, on a mis le temps qu'il fallait. Et puis, voilà qu'on a pris l'Eurovéloroute 1 qui va croiser l'Eurovéloroute 3 qui va vers donc qui va vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On va devoir changer d'Eurovéloroute, mais on le fait à Pampelune. Donc aujourd'hui, on fait une étape Hendaye-Pampelune. On n'a encore pas réservé de logement ce soir, mais on aimerait bien aller à l'hôtel parce que ça nous permettra, un, d'avoir plus de confort pour recharger nos roues, et etc. Et aussi pour laver nos vêtements, etc. Ça sera plus simple. Ça sèche mieux dans la chambre que, ouais, que ensuite, à l'air libre. Ensuite, alors, on prendra l'Eurovéloroute 3 vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'on va suivre. Alors ici, au début, on est parti d'Hendaye. La route était sympa, des petites passerelles au-dessus de l'eau et tout ça, c'était vraiment cool. Mais par contre, après, on a eu une série de chemins complètement défoncés, mous, parfois avec des rochers, on a dû marcher un peu. Et puis après, tout plein de tunnels et tout ça, ça doit être une ancienne route. Et donc la piste cyclable, le Eurovéloroute 1 passe là-dedans. Donc sympa à faire, mais en même temps pas facile dans les graviers, le sable et tout. Donc on a roulé doucement, ça fait 1h30 qu'on est parti à peu près d'Hendaye et on n'a fait que 20 bornes. Donc on va essayer, maintenant ça a l'air d'être de l'asphalte. On va essayer de rouler un petit peu plus vite, histoire d'arriver peut-être ce soir à Pampelune et ne pas devoir rouler tard. Est-ce que tu as un truc à ajouter ou est-ce que j'ai tout dit? Je pense que tu étais très exhaustif. Voilà, bon. Eh ben, on se retrouve après, on va rouler. On attaque les Pyrénées aussi, ça j'ai pas dit. On est entouré de montagnes, donc c'est déjà assez joli. Il y a un torrent qui coule juste à côté de nous, avec des barrages qui se succèdent. C'est assez sympa, mais ça monte pas trop encore. Ça monte tout le temps, mais ça monte pas trop. Puis il y a les tunnels qui coupent les... Ouais, les grosses bosses. Par contre, tout à l'heure, je sais pas, parce qu'on doit quand même traverser les Pyrénées pour aller à Pampelune, donc peut-être que la vallée ici n'est jamais très élevée, je sais pas, on verra. Sur le côté de la côte, je pense que les Pyrénées ne sont pas très hautes. Ouais, donc on n'est pas très loin, donc on est à 20 bornes de la côte. Donc à mon avis, ça ne va pas monter trop, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, on verra et on racontera la suite quand on sera à Pampelune ce soir. De parler espagnol parce que acheter des bières c'est important et puis en même temps c'est l'heure de manger. Dos hamburgueras, non hamburgueras, hamburgueras, c'est pas au point. Petite terrasse, hein? Je sais même pas où on est. Dos terrasse, non ça se dit pas ça, je sais pas où on est, mais on a trouvé, je sais pas exactement dans quel village on est, on a trouvé un petit resto sympa où ils nous ont permis de charger nos roues, ils vont ouvrir le garage, des prises électriques, donc parfait. Francis, il restait 58 km avant d'être à sec. 58% d'être à sec et du coup, il était vraiment temps de trouver un endroit pour recharger. Donc, ce qu'on petite bière, on va discuter, puis on va essayer de trouver un logement pour ce soir, parce que en plus, c'est
peut-être blindé, Pampelune. Il y a peut-être la ferrière, il y a peut-être le taureau dans les rues. Je sais pas. C'est à quelle époque ça? C'est pas juillet août, je pense. Bon, on vous raconte ça tout à l'heure. Ici. C'est 40 de trop. En fait, on pensait que ça faisait 80 km, mais on s'est trompé. On pensait qu'on avait parti pour 80 km aujourd'hui. C'est un petit peu trompé. Et donc, on a roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était un peu naze. On est arrivé à l'hôtel, on a loué un hôtel. Je le disais tout à l'heure, on est arrivé. On a eu trop chaud. Ça a une bonne douche, ça fait du bien. Et puis on a roulé assez chaud pour bien manger dans le sang. Alors on entame notre repas. Comment arbre, on change le piment. Moi, monsieur, j'ai porté un peu de pain. Ah oui. Ça c'est frit. Okay, okay. C'est parfait ça. Merci. Merci. Ben voilà. On a les piments et puis les piments. On a les deux fois. Et c'est offert l'autre. Voilà, et bien, bon appétit. On est le quatrième jour de voyage. Puis on est parti de Namur, les 4 jours de pense. Là, on a décidé de faire, on a déjà loué la chambre d'hôtel, ce qui est étonnant parce qu'on ne fait jamais ça. Déjà ce matin, on part pour 80 km prévus, on n'espère pas plus. Et on a loué une chambre d'hôte dans la ville où on arrivera ce soir, que je te dis. Torres del Rio. Donc 80 km, il y a 1000 mètres de dénivelé positif, on a déjà gardé. Et les batteries des monorails sont pleines. Nos estomacs aussi, pour l'instant. Une grande nuit sommeil. Ah ouais, on expliquera ça plus tard. On va faire ça ici. Comme tout le monde, on expliquera, on a eu quelques soucis la nuit. Et bah voilà, on démarre.
Voilà au frais, il fait pétant de chaud. À mon avis, il fait bien. Non, je sais pas moi. J'ai peur de dire des conneries, mais 35 degrés au moins dehors. Alors, on s'est mis dans un petit tunnel. Il y a de l'eau, juste ici derrière moi. Et ça fait du coup, ça fait tout frais. Ça fait du bien de s'arrêter 2 minutes ici. Et on a emprunté un chemin. Là, on a emprunté pas mal de routes, parce que les chemins sont chaotiques. Mais là, depuis 200 mètres, le chemin est tout mignon. J'espère que ça continue comme ça, jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Sans cailloux et tout ça, un petit sable damé comme il faut. Bon, bah sinon, ça roule toujours. On vient de manger un petit peu de trop. On a mangé entrée, plat et dessert. On a eu du mal à aller au bout. Bon, comme ça, on a fait des réserves pour ce soir. Parce que ce soir, on va dans une chambre d'hôte, mais dans un petit village, donc je ne sais pas si on aura beaucoup de choix pour manger. Donc ici, normalement, on est rassasié pour jusqu'à demain. Avec ce qu'on a mangé. Manger de la morue, des tomates, je me suis tout mangé. Et puis Francis nous avait choisi un dessert, un truc tout light, une espèce de pain perdu qui ressemblait à une méduse passée au four. On s'en souviendra encore. J'ai pas fait de photo, c'est dommage, j'aurais dû. Ouais, j'ai une photo. Bon. Ça faisait un peu peur, comme ça, regarder. Ouais. Bon, allez, on continue encore. On n'a pas fini, on n'est pas encore arrivé. To break.